Eric, ça fait 31 ans qu'on n'a pas gagné. Alors quand même. Merci d'être là, Marie. Marie Myriam, la dernière Française à avoir gagné l'Eurovision pour la France. Parce qu'il y a une autre Française qui a gagné, mais pas pour la France. Mais pas pour la France. Corinne Hermès a été pas française. Ah oui, française, tout à fait, oui, pour le Luxembourg. Mais elle avait gagné pour le Luxembourg. Tout à fait. Donc nous, on a là la dernière Française qui a gagné pour la France. Et on l'espère, le prochain Français qui va gagner le 24 mai prochain. Vous y croyez, Marie, au petit nouveau? Oui, bien sûr, j'y crois. Oui. Merci. Votre chanson, à vous, à l'époque, elle avait été choisie comment, Marie Myriam? C'était un concours de la chanson française. Et la finale était... j'ai su que je représentais là. C'était le vote des Français. On téléphonait, je l'ai su dans l'émission de Michel Drucker qui s'appelait Les rendez-vous des dimanches. Mon Dieu, j'ai l'air de... Ouh. Oui, il est toujours là. Oui, oui. Lui aussi, d'ailleurs, il a un rendez-vous, c'est le dimanche. Il y a Jacques Martin qui a pris en sous-location pendant quelques années, mais Michel Drucker est toujours là le dimanche. C'était en tout cas en 77. Vous essayerez de me donner une explication quand même, pourquoi depuis on n'a jamais gagné. On est obligé de revoir encore une fois les images de Marie Myriam à l'époque. Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Qui va choisir votre robe, Sébastien Tellier, pour... La mienne, c'est... Hein, c'est vrai. Pour le mot, le non, mot, je m'habillerai moi-même. Vous habillerez... Il y aurait des danseurs et des danseuses? Bien sûr, des danseuses. Des danseuses. Ah, qui seront comment autour de vous? À poil. À poil. Je ne sais pas si vous connaissez bien les chansons et le répertoire de Marie Myriam, mais elle n'a pas chanté que l'oiseau et l'enfant. Évidemment, on lui rappelle toujours cette chanson, puisque c'est la dernière à avoir gagné pour la France à l'Eurovision. Mais sur cet album encore, on retrouve un peu tout votre parcours, des chansons au rythme brésilien, des chansons un peu plus jazz. Il y a une chanson sentimentale qui a été un succès, je m'en souviens. Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons de Marie Myriam maintenant? Oui, Un nuage que j'adore, qui est une chanson de Hugo Renard. Il y a encore, il y a Par, qui est une reprise brésilienne. Et c'est Jean-Louis Murat qui a fait le texte en français. Votre...